Salut tout le monde! Oui, j'ai des lunettes. Depuis peu en fait. J'étais chez l'ophtalmo il y a peut-être, on va dire, 2 semaines. Et du coup, j'ai des lunettes. Voilà. Enfin bref, on va pas s'éterniser sur le sujet. J'ai une myopie, donc j'ai une correction de 0,25. Voilà, bon, c'est pas énorme, c'est juste que je voyais un peu mal de loin. Enfin bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau partenariat, toujours avec Octoly. Donc il faut savoir que je ferai une vidéo unique pour chaque partenariat que je ferai avec Octoly, c'est-à-dire beaucoup, puisque je vous avais déjà expliqué le concept, mais si vous arrivez sur ma chaîne, je vous réexplique tout ça en barre d'infos. Et je vais vous parler d'une box, donc je ne vais pas vous la montrer maintenant, je vais juste vous montrer dans quoi je l'ai reçue. Donc c'était là-dedans. Voilà, comme ceci. Donc c'est pas de la top protection, mais tout est arrivé non cassé. Et la box est trop belle, elle se présente comme ceci ce mois-ci. Donc c'est la Beautiful Box de mai. Donc voilà, elle est bleue, sur l'avant c'est écrit I love me. Sur les côtés il y a des étoiles filantes et derrière c'est écrit Selfie Ready. Et donc quand on ouvre la box, c'est comme ceci à l'intérieur. On commence déjà, dès qu'on reçoit la box, à avoir une petite pochette comme ceci avec tous les produits à l'intérieur. On a également 2 autres produits qui sont sortis de la pochette. Et on a plein de petits papiers. Donc la première chose, c'est qu'on a des tatouages en rapport avec le thème de la Beautiful Box. Ensuite, on a une petite carte comme ceci, donc toujours avec des motifs du sujet derrière, avec le détail de tous les produits. Donc là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Voilà, il y en avait 10 au total des produits, en comptant les tatouages. Donc voilà une petite carte de description des produits. On a également le tuto strobing qui est hyper connu aux USA je crois. Et donc voilà, on a le tutoriel que je suivrai à la lettre en sorte de crash test juste après. Je vais aller maquiller, je vais me démaquiller et je vais me maquiller avec tous ces produits là. On va pouvoir passer à la présentation des produits maintenant qu'on a complètement vidé notre boîte. Donc premier produit, il s'agit de l'eau extraordinaire. Donc bien évidemment je vous montre seulement les produits, ensuite je vous fais le tutoriel et après je vous donne mon avis sur les produits que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, enfin en tout cas la première impression. Donc voilà l'eau extraordinaire de rose, donc elle est hydratante et revitalisante. Et donc celle-ci, elle coûte 15,50€, donc je suis plutôt contente parce qu'un tout petit flacon comme ça, je ne l'aurais pas acheté, donc c'est les 100ml. Ah non, et ça c'est 25ml, du coup il faut diviser le prix par, du coup par 4, on va y arriver. Donc voilà, premier produit, je suis super heureuse de pouvoir tester ceci, donc de la marque Melvita. Ensuite le numéro 2, et celui-ci c'est sans doute le produit le plus cher, mais que vous serez certainement toutes heureuses de recevoir dans votre box. Il s'agit de la miniature du Better Than Sex, donc du mascara Better Than Sex de Too Faced, qui coûte 23€ les 8ml. Et là, il y a 4,8 grammes. Enfin bref, c'est la miniature quoi. Donc la miniature, j'ai déjà regardé pour l'acheter à quelqu'un. Et elle coûte 12€ je crois. Et donc, par contre, je vous le dis juste maintenant, ce produit, je ne l'ouvrirai pas parce que déjà, je l'ai en grand format. Donc, durant le make-up, j'utiliserai le mien qui est ouvert. Et je ne vais pas l'ouvrir d'autant plus parce que je vais l'offrir à une amie. Ensuite, on va prendre la petite pochette comme ceci avec les petits motifs du thème. Et donc, on a en premier le petit Beauty Blender. Et donc, il coûte 2€ celui-ci. Donc voilà. J'ai le même mais en taille XL. Et ça c'est un mini, donc c'est bien pour les cernes, pour le menton et pour, pour tout
toute la zone T en fait. Et voilà, donc je suis ravie de l'avoir. Ensuite, on a ce produit. Et il s'agit du Green Lover. Et donc c'est un stick correcteur qui coûte 7€. Donc ça, c'est vraiment de la marque Beautiful Box. Ouf. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et donc le stick est, voilà, il est de couleur verte. Donc voilà, à tester tout à l'heure, mais il est de couleur verte. Donc je crois, si j'ai bien imprimé le son, que c'est pour les rougeurs, les sticks verts. Donc voilà, assez contente, sachant que j'en ai plutôt pas mal. Ensuite, on a le My Precious, qui est comme ceci. Donc c'est un enlumineur qui coûte 8€, donc toujours de la même marque. Et celui-ci est très brillant. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais voilà, donc je suis super contente de tester tous ces produits. Voilà, et c'est un 8 grammes. Ensuite, nous avons le shampoing lisse et soyeux de Head & Shoulders. Donc c'est un anti-pelliculaire sensitif. Et donc celui-ci, il coûte 4,50€ les 300ml. Et là, je sais pas, c'est un 75ml celui-ci. Il est comme ceci. Ensuite, je pioche une petite poudre, donc duo de blush, Shimmer and Color Blush, c'est ça. Et donc, il coûte 9€. Donc là, on a deux couleurs. On a la partie enlumineur et la partie plutôt bronzer. Voilà, c'est pas écrit le nombre, 12 grammes. Ensuite, on a base lumière perfectrice de teint, Illuminating Makeup Base. Celle-ci coûte 10€. Et enfin, dernier produit que je tire dans ma petite pochette, il s'agit du masque. Donc celui-ci, c'est un 10ml. Et c'est un masque peel-off au concombre de Montagne Jeunesse. Oui, c'est la marque. Donc 2€. Et c'est un masque à pelé ultra désincrustant. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté tous les produits, je vais pouvoir aller tester tout ça. Donc je vous laisse avec le tutoriel. Voilà tout le monde, je suis de retour dans la chambre de mes parents puisque c'est beaucoup plus lumineux. Je suis juste en face en fait de la fenêtre. Et voilà, terminé. Le démaquillage, on met ça de côté et donc je viens prendre ma petite box, je vais récupérer tous les produits qui sont juste ici et le petit tutoriel d'Emmy. Donc voilà, je vais verser tous les produits que j'ai besoin et donc on y va. Donc on commence par se passer l'eau extraordinaire de rose. Donc on commence par la petite eau extraordinaire. Donc eh ben, c'est parti. Voilà, je ne sais pas s'il faut que je fasse avec les mains ou non. En tout cas, ça sent hyper bien la rose. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement qu'elle est hyper agréable à appliquer. Elle est fraîche. Ça sent super bon. Et ça colle très légèrement. Étape numéro 2. On applique la base perfectrice de teint en insistant sur la zone T, donc celle-ci. Celle-ci va permettre de lisser le grain de peau et flouter les pores. Donc c'est celle-ci la base, donc on va la tester, c'est parti. Pas en mettre des masses non plus. Et ben écoutez, en tout cas c'est très agréable à appliquer, j'ai le grain de peau vraiment doux, lisse, voilà, j'aime beaucoup.
cette base. Étape 3. Pour camoufler les petites rougeurs et imperfections, on s'arme du stick donc, qui est là-dedans. Le Green Lover que l'on pose directement sur les zones concernées. Comme je vous disais tout à l'heure, on applique le fameux stick. Voilà, alors est-ce que ça va marcher sur les petits boutons? Autant tester. Je vais également en mettre sur les zones où j'ai des petites rougeurs sur le visage. Voilà, à peu près tout. Et on estampe avec les mains. Voilà, le bouton ça n'a pas l'air de les faire partir en tout cas. Bon, ça atténue les boutons. Voilà. Étape 4, donc je vous la lis, à l'aide du mini blender, on applique son fond de teint habituel et un anti-cerne adapté à sa carnation. Donc j'ai un anti-cerne, je mets jamais de fond de teint. Donc voilà, j'ai mon anti-cerne de chez Kiko qui est d'ailleurs hyper bien, il cache super bien les cernes. Enfin, moi je l'adore en tout cas. Donc voilà, vous devez juste appuyer sur le petit truc au bout et le produit sort. Oula, on va passer de l'autre côté parce que. Voilà. Voilà, donc j'en mets sur les cernes, j'en mets également au milieu ici, sur mon nez et sur mes boutons. Donc là, c'est à l'aide du mini Beauty Blender. Ok, bah écoutez, on y va. Ça se sent plutôt bien en tout cas, je trouve. Voilà. Et bah je trouve, écoutez, que tout cumulé finalement, ça cache plutôt pas mal mes boutons. On vient ensuite s'occuper des cernes. Donc il faut toujours taponner au niveau des cernes, sinon vous étalez la matière et vous creusez les cernes. Donc voilà. On fait de même de l'autre côté. Et voilà. On arrive à l'étape 5. Donc grâce à l'enlumineur My Precious, on attaque aux différents points de lumière. Donc l'arcade sourcilière, pardon. Donc je me munis de ce produit. Donc l'arcade sourcilière. Alors je sais plus si c'est en haut ou en bas. On va faire les deux. J'aime pas trop quand c'est lumineux, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. L'arête du nez. Ensuite le haut des pommettes et le menton. Donc ici, ici et puis le menton. Voilà. Je pense avoir appliqué un peu là où il fallait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pratiqué le strobing et si j'applique aux bonnes zones parce que voilà. Et donc je viens ensuite l'estomper avec le blender. Voilà. Il faut savoir que j'ai jamais de ma vie mis de l'enlumineur. Puisque j'ai jamais trouvé un très bon enlumineur, simplement. J'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Voilà, ça revient un peu. Ce que je voulais était bien trop cher et je ne veux pas dépenser des masses dans un enlumineur. Donc voilà, c'est une première pour moi. Donc soyez indulgents. Et bien écoutez, voilà. Étape 6. Afin de sculpter son visage, on se munit du duo de blush. Donc celui-ci. Ah, par contre, il faut que j'aille chercher mon pinceau. Voilà, je vais utiliser le ELF, moi. Et donc, à l'aide d'un pinceau, on dépose la poudre la plus claire sur les zones précédemment luminées. Donc, je prends la poudre la plus claire. Voilà. Et je viens la déposer sur les zones illuminées. Voilà, au niveau de la joue, du menton, du nez. Des pommettes, des sourcils, et voilà, tout simplement.
J'ai l'impression d'avoir mis des tonnes. Au niveau de la joue, là, c'est un peu trop lumineux pour moi. Voilà. Et avec la poudre la plus foncée, on booste l'effet bonne mine en appliquant très légèrement au creux des joues, donc là, et sur le contour du visage, donc comme un contouring en fait. Hop là. Tac. J'en ai pas des masses non plus, hein. Pas besoin des tonnes. Et on a dit. Ah voilà, dans les joues. Enfin, entre les joues. Voilà. Et voilà. Je prends le pinceau qui n'a pas été bleuché, entre guillemets. Enfin, qu'on n'a pas utilisé du moins pour appliquer la matière. Et je viens estomper la matière. Et enfin, donc étape 7, pour finaliser le look, on opte pour le sublime mascara belge, sans sexe, tout face, pour être au top. Une peau fine, on peaufine ce make-up avec son eyeliner, pas du tout, une touche de couleur. Voilà tout le monde, donc maintenant que vous avez vu le résultat et du tatouage et du make-up, vous devez avoir votre propre avis. Moi en tout cas, je suis hyper contente, je trouve que ce maquillage est au top. Les produits sont de très bonne qualité, ils valent le coup d'être reçus, en tout cas gratuitement pour ma part. Voilà, donc je vous mets le lien du site d'Octoly. Je vous mets également le lien où j'ai parlé du mascara Bellows & Sex de Too Faced, puisque j'avais déjà fait une vidéo dessus et que j'ai pas utilisé dans cette vidéo et que c'était ce produit qui vous intéressait. Enfin bref, moi je vous recommande cette box à 3000%, les produits sont tip top. Voilà, moi en tout cas j'avais jamais réussi un make-up aussi facilement la première fois en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront listés en barre d'infos, donc surtout sur Instagram et Snapchat où je suis très très active. Également n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire, à vous abonner, et moi je vous fais d'énormes bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo. Ciao !